vous êtes là. Excusez-moi, je me suis emporté. Bonjour et bienvenue dans la taverne. Je vous sers un coca. Alors aujourd'hui, vous tombez bien parce que je viens d'avoir mon ravitaillement du mois. Donc ce mois-ci, on a commandé de la bouffe. Mais pas que. Mais pas que. Hop. J'ai aussi les boîtes, enfin les boules normales, voilà, telles qu'on les connaît bien évidemment. Et c'est la première fois en fait que je vais ouvrir avec vous l'Omybox qui contient donc de la nourriture normalement. Alors voilà, pour comparer la taille, c'est beaucoup plus grand. C'est bien plus grand. Pour l'ouvrir, on se munit bien évidemment de la baguette magique des Yakuza. Hop. On coupe dans le long. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Il peut y avoir des boissons, il peut y avoir de la nourriture. Hop, j'ouvre ça avec vous, tous voir. Alors c'est spécial Halloween, bien évidemment. Alors, on a le petit livret. On a un livret qui est plus complet que le livret normal sur les autres box. Alors, on a des petits trucs sous licence. Là, c'est c'est quoi? C'est du bambou, d'accord, avec un petit... C'est un truc spécial, non-box ? Omybox ? Exclusif. Omybox. C'est un truc exclusif à l'Omybox. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Voilà. Là, c'est Agretsuko. Petit truc d'Agretsuko. Là, on a des petits snacks à la citrouille, là aussi. Qu'est-ce qu'on a, là ? Des sortes de chips. Je sais pas. Non-frame. Ok. Ce ne sont pas des chips, trucs. Un Omybo. Ah, attention, l'Omy box dans un Omybo. Voilà, c'est normal, tout est normal, tout va bien. Des Kit Kat à la fleur de Sakura. Et ça, c'est sûrement des bonbons dégueulasses. Encore un truc bizarre. Ici, c'est ça. Meppuru. Banta. Je sais pas. Bière. Ah, bière. Des bonbons à la bière. Quoi? Bon. On verra. Ah ouais. Des nouilles instantanées. C'est la première. Odashi. D'accord. Des nouilles instantanées, Odashi. C'est pas des nouilles, c'est des udon. D'accord. Ok. Des petits snacks encore, je suppose, à la citrouille. Ok. Pumpkin, donc oui, à la citrouille. Un café, c'est un café, ça? Oh, alors là, c'est ouf, parce que je vais le vous montrer, mais je crois que c'est du café, j'espère que c'est du café. Parce qu'une fois, j'ai pris du pudding en canette, c'était dégueulasse. Avec une magnifique illustration de l'attaque des titans. Franchement, c'est trop beau. Je vais vous montrer de plus près, c'est trop beau. On a ensuite... un truc bizarre, d'accord. Des bonbons... Détective Conan. En forme de... pilules. Ok. Pour bien commencer la drogue. Ça, c'est des petits stacks. Hop, soufflés. Caramel, des petits snacks de maïs soufflés au caramel, j'ai goûté, c'est pas super. Il y a la pomme aussi, des fois ils font la pomme. Donc voilà, voilà pour le côté ravitaillement, donc on va bien manger pour cet Halloween 2020, malgré le confinement, malgré tout ça, voilà. Et on va lire le fascicule, je vais regarder le fascicule parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai ratées. Donc c'est bien une canette de café au lait de l'attaque des titans, donc méga Halloween, alors, ok. C'est une box méga Halloween, donc elle doit être plus grosse que d'habitude. Parce que d'habitude, c'est la première fois que je la commande. Même perso, c'est la première fois que je la commande. Je savais pas que c'était aussi gros, mais apparemment, c'est jamais aussi gros. Alors, les udon, c'était bien des udon. Ah ouais, le truc, là. Ça, là. Kalinto Charbon de bambou. Nous sommes heureux de fiers de vous proposer pour la première fois un produit exclusif au Mybox avec notre mascotte sur le packaging. Celui-ci a une saveur aussi étrange qu'originale puisqu'il s'agit de charbon de bambou. Le bambou est une spécialité de Fukuoka où la météo chaude est propice à leur développement. On y trouve donc de nombreux produits étonnants au bambou. Ah ouais, d'accord. Du charbon de bambou. J'ai déjà mangé du bambou, mais du charbon de bambou, là non.
Après, on a tous les petits produits, voilà, qu'on a cités. Bien sûr, l'Omaibo, au potage, à la soupe de maïs Happy. Donc voilà, c'est une soupe de maïs sympathique. Et on a plein de petits trucs. Voilà, pour l'Omaibox. Voilà, j'hésite à le dire parce que j'ai quand même tellement je l'avais que... Voilà, la petite cadette, voilà, qui est là. Bon, elle était bien remplie. Ça, franchement, elle était bien remplie. Tuc. On va mettre ça là-bas. J'espère que votre Halloween se passe bien. Ça du mieux possible. Parce que bon, avec ce qui se passe en ce moment, voilà, c'est pas ouf. On attaque tout de suite la capsule box. Hop. Ah, si j'arrive à l'ouvrir sans couper, ce serait cool. Hop. Voilà, en dessous, un petit coup aussi. La capsule box est la même taille que d'habitude, hein. Il n'y a pas de changement particulier. Hop. Si ce n'est que normalement, voilà, elle contient des objets en lien avec l'Halloween, les petits amis. Comme d'habitude, le petit papier. Ah, le fascicule qui se barre. Ah, j'ai vu des trucs. Bon, ok, j'ai vu certains trucs, on le laisse là. On va dire que c'est la prédiction, pas du tout. Alors, waouh, déjà, on a un gros Pikachu, là. Hop. Alors, est-ce que ce sera un Pikachu d'Halloween ou pas? C'est encore bien emballé, quand même. Ah, y a pas de souci. Le plastique japonais, il tient. Et oui, il tient une petite citrouille. J'avais eu, il y a quelques temps déjà, un petit Pikachu de ce style-là, à monter comme ça. Et donc celui-là, il a une citrouille. Tac. Une oreille. Deux oreilles. Est-ce qu'il y a le journal en dessous? Je vous rassure tout de suite. À chaque fois, j'oublie de le dire, mais il y a le journal. Alors, une oreille qui va... pas là, apparemment. Qui va peut-être là. Comme ça. Putain, comment est-ce mis cette oreille? Ah, ok, il y en a une plus. L'autre. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'était comme ça, d'accord. Ok, le corps. Ah, il y a la petite queue qui m'embête, là. Et voilà. Un petit Pikachu. Hop, je vous le mets là. Qui tient une citrouille, qui est plutôt sympa. C'est vraiment beau à voir. Tac, on va prendre la boule la plus grosse. Et c'est Rem. C'est Rem en maillot de bain, apparemment. On va la monter après. Je vous montre tout ça. Hop. Et on continue. Une boule rouge. On va lancer une boule rouge. Et c'est du Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. C'est Tanjiro. Oui, c'est Tanjiro. À monter aussi. Je monte ça et je vous montre juste après. Tac. Voilà, une petite boule orange, c'est un petit porte-clé, et c'est Kenshin, le vagabond. Touk. Une petite boule bleue, qui est bien protégée, là. Qu'est-ce que c'est? C'est un gachapon en pierre. Il est bien emballé, hein. Il est bien emballé, je suis en train de défoncer l'emballage, mais tout va bien. Et allez! Waouh! Ça pèse, hein. Ouah, c'est lourd. C'est une petite souris, et je pense que c'est en pierre. C'est ouf, c'est la première fois que j'ai un gachapon en pierre. Ah ouais. Donc il y avait un renard, un cochon, un chat, un lapin, une grenouille et la souris. J'ai eu la souris et c'est super beau, ça rend super bien.
Et même la petite figurine, enfin, elle est vachement le retour. Tac. On passe à la... C'est la dernière boule, c'est totalement la dernière boule. Et c'est encore du Kimetsu no Yaiba. Et c'est Nezuko. D'accord. Il y avait deux trucs... Bon, c'est cool, hein, j'aime bien, mais bon... Le film vient de sortir, d'ailleurs, au Japon. Petit aparté, comme ça, au passage. Et en 3 jours, je crois qu'il a eu... il a récolté 3 millions d'euros, un truc comme ça. Il a tout démonté, encore une fois. Et si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. C'est un animé vraiment sympathique. Alors, je vais découvrir avec vous ce qu'on pouvait avoir à l'intérieur, et après, je monte tout ça. Alors, bien, voilà. Les Pocket Maquettes de Kimetsu no Yaiba. Le Gachapon Pokémon Special Halloween, donc moi j'ai eu Pikachu avec la citrouille. Un Gacha Portrait de ReZero, donc moi j'ai eu Rem. Le porte-clés de Kenshin, donc Roruni Kenshin. Donc c'est le vagabond, quoi. Nous je crois que c'est Kenshin le vagabond, je crois qu'ils ont traduit ça en français. Un Xi Tigarba. D'accord. Donc c'est des petits animaux en pierre, là, je vais vous lire la description. Cette collection de gachapon représente des animaux mignons en Jizo-san. Jizo, c'est les moines. Les petites statues japonaises représentent des divinités. 6 animaux possibles dans votre box, donc souris, lapin, grenouille, renard, sanglier ou un chien avec un chapeau. Ah, c'était un chien avec un chapeau, d'accord. Et c'était un sanglier, c'était pas un cochon. Bon. Et voilà, mes amis, l'histoire aurait pu se terminer là, mais n'oublions pas le magnifique journal qui nous est fourni dans la capsule box. Parlons de la capsule box, voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on a eu. Je trouve, je le dis encore, mais c'est quand même ouf de tomber sur des figurines comme ça dans un gachapon. Moi, elles sont tellement bien faites que tu dis, c'est pas possible. Et donc, on a aussi eu l'Umaibox, que je remets là, qui était fort sympathique. L'histoire aurait pu continuer, mais elle s'arrête ici. Pour des raisons que vous connaissez, est-ce que le confinement est là, voilà. Moi, je pense que j'ai passé un bon confinement avec tout ça. Et je vous dis peut-être au mois prochain, si vous êtes encore là. Et je vous laisse sur une note de musique, qui est celle-là. Voilà. C'est tout. C'est tout pour moi. Allez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, voilà, tout ça vous le savez. Je pense que vous en êtes conscient maintenant, voilà, on est sur YouTube. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et je vous dis à ciao tout le monde. Voilà. Jette un saut à ton youtubeur, au public varié, au public varié. Jette un saut à ton youtubeur, ami des cachapons.